la question pour mettre la chicane avec Herménégilde Lalancette, votre serviteur. Cette semaine, la question du jour est... Quel est le premier organe sexuel? A. Le pénis. B. La vulve. C. Le coude. D. Les orteils. Et ou E. Le cerveau. Je vous laisse 3 secondes de réflexion. La réponse vous sera dévoilée un peu plus tard. À vous les signaux! Le fait d'avoir une érection ou une lubrification, ça dépend pas toujours du corps. Ça dépend aussi beaucoup de la qualité de la relation. Si vous êtes dans une relation où règne l'amour, la sécurité, la détente, eh bien, la réponse du corps se passe généralement très bien. Mais si vous êtes dans une relation où règne l'insécurité, le manque d'amour puis le stress, alors cela peut amener des problèmes d'érection et de lubrification, comme on va voir dans la situation suivante. Hey! Faut que je te conte la relation que j'avais avec une fille quand j'avais 18 ans. Mm-hmm. Hey, c'était toujours pas clair, bizarre. Je savais jamais sur quel pied danser avec elle. Qu'est-ce qu'elle faisait qui te rendait insécure de même? N'importe quoi. Mettons, elle arrive. Hey, tu sais que t'arrives? Puis elle me disait, ah, oh, j'arrive à tel endroit. Puis c'était pas clair. Ou elle s'en allait. Tu sais que tu vas? Ah, oh, là, je vais là. Puis plus tard, elle me disait des versions qui contredisaient. Mais tu m'as dit ça tantôt. Ouais, mais c'est pas la même affaire, c'est parce que j'avais oublié. Puis en tout cas, puis des fois, elle était bien chaude, puis amoureuse, puis des fois elle était frette, tu sais, puis je savais jamais pourquoi, hey, c'était bizarre. Le genre de fille qui a plus de questions que de réponses. Ah, tout à fait. Fait que c'était tout le temps pas clair, j'étais dans le cirage, puis il m'est arrivé une affaire bizarre. Hey, j'avais 18 ans, j'étais un athlète, tu comprends-tu? Mais avec elle, dans les relations les intimes, eh bien, je faisais patate. Tu faisais patate? Je faisais patate! Ça m'a jamais arrivé ni avant ni après. Puis à ce moment-là, ça arrivait, j'ai jamais compris pourquoi. Peux-tu me l'expliquer? Peut-être que ton pénis était plus intelligent que toi. Ben voyons, tu m'as su. Non, je t'ai nié, c'est pas. Ben voyons, je te crée pas. Ben voyons, non. Le premier organe sexuel, eh bien, j'ai des petites nouvelles pour vous. C'est le cerveau. Ben oui. Lorsqu'on y présente quelque chose de sexuel, il faut absolument que le cerveau dise « menium, menium ». S'il dit « menium, menium », ben c'est lui le boss. Il va diriger le corps pour qu'il y ait une bonne réaction et que tout se passe bien à ce moment-là. Si la relation n'est pas fiable, comme on a vu tantôt, ou si elle semble dangereuse, le cerveau va dire « va pas là, danger ». Puis là, ça se peut qu'on dit « ben non, elle est belle, oui, elle est beau, moi je veux y aller ». Non, tu comprends rien, danger, moi je vais m'organiser que tu n'y ailles pas là. Pout, il peut amener une panne sexuelle. Pour avoir une érection, ça prend une énergie d'affirmation saine. Ça veut dire qu'on a une énergie qui nous permet de nous affirmer tout en respectant les autres. Si l'homme est dans une relation où il est constamment humilié puis rabaissé, eh bien, ça peut couper cette énergie-là et ça peut même amener des pannes, comme on va voir dans la situation suivante. Allô? Tu as acheté un steak? On soit Jean puis Marie, j'ai super. J'ai oublié. T'as oublié le steak? T'avais une affaire à t'occuper, puis tu l'as oublié. Ben, j'ai oublié, là. T'es pas fiable, toi. T'es comme les membres de ta famille. On peut jamais se fier sur toi. Regarde, je vais appeler Jean, là, puis je vais lui dire d'acheter des bons steaks. De toute façon, lui, il connaît ça, les steaks. Il achètera pas de la scrap comme t'as acheté l'autre fois. Puis tant qu'à y être, là, je vais lui demander qu'il répare la poignée. Ça fait 6 mois que je te demande à réparer, puis tu l'as pas fait encore. Jean, lui, il est habile, puis il est fiable. Il est pas comme toi. Plus la femme est dure, plus l'homme risque d'être mou. Plus l'homme est sec, plus la femme risque de le devenir. Alors, dans ces situations-là, là, eh bien, ça amène des dommages, puis ça va nuire à la réponse sexuelle, comme on va voir dans la situation suivante. T'as-tu passé une bonne journée? Mm-hmm. Ben, moi aussi, j'ai passé une bonne journée. Puis j'ai arrêté de nous acheter des bons steaks comme t'aimes. On va se faire ça sur le barbecue. Tu veux-tu les faire cuire, s'il te plaît? T'as acheté des steaks sans m'avertir, puis là, je suis pogné pour les faire cuire. C'est quoi, là? Je suis encore pogné avec ça? Ben, t'es fait cuire toi-même, tes steaks. Ben, wow! Mais qu'est-ce que tu veux de même? Qu'est-ce qu'il y a encore? Et tu t'as quelque chose? Comme ça, faut pas amour à soir, hein? Qu'est-ce qui déclenche votre menum-menum? C'est très différent d'une personne à l'autre et c'est aussi très personnel, surtout lorsqu'on parle du monde des fantasmes. Ce qui est menum-menum pour un,
ça peut être irk pour l'autre. Une chose bien importante, aussitôt qu'on touche le premier irk, on arrête ces choses-là. Parce que si on continue, tout va mal se passer. Personne peut lire dans les pensées des autres. Ça serait le fun, mais ça se peut pas. Personne est responsable de l'orgasme de l'autre. Donc, nous sommes responsables de notre orgasme. Alors, ça s'implique que nous devons enseigner à l'autre c'est quoi notre chemin qui nous amène tranquillement vers l'orgasme. Parce que l'autre, il ne sait pas. Puis même des fois, il faut l'enseigner pendant la relation. Style en haut, en bas, à droite, à gauche, plus fort, moins fort, plus vite, moins vite. Ah oui, c'est ça, vas-y, continue. Ah oui, OK? Donc, faut que ça soit vraiment une chose qu'on indique à l'autre. Pour ce qui est des fantasmes, je vous suggère de vous garder une petite gêne. Gardez un jardin secret. Vous n'êtes pas obligé de tout dire à votre partenaire. Vous pouvez partager ça avec quoi vous êtes à l'aise. Une autre petite chose. C'est pas conseillé de raconter nos exploits sexuels et nos fantasmes réalisés avec notre ex. Ça aidera pas à la situation actuelle. Dans la situation qui va suivre, on va vous donner un exemple de comment on peut s'y prendre pour enseigner notre chemin à notre partenaire. Hey, mon amour. Oui? C'est quoi les choses qui t'allume sexuellement? Oui, ben, c'est un peu gênant. Mais on va faire comme un jeu. Dis-en une, puis moi t'en dis une, OK? OK. Alors, commence. Ah, bon. Je me suis fait prendre, hein? Oui. Ben, moi, c'est les oreilles. Ben, quoi, tu veux que je te pogne les oreilles? Ben, non! Ben, non, je voudrais que tu me dises des mots à l'oreille. Mais comme quoi, tu veux que je te dise allô? Ben, non! Oh mon Dieu, ça va être long! Mais non! J'aimerais ça, tu sais, mettons, t'arrives, là, tu me prends par la tête, tu me touches doucement, tu me mordis le cou, puis tu me dis des petits mots coquins à l'oreille, puis tu t'en vas. Puis je pars. Tu t'en vas. Pourquoi? Parce que ça m'allume. Tu sais, tu viens m'allumer, puis tu t'en vas, puis là, moi, j'ai juste envie que tu continues. Fait que ça me donne, ça m'excite encore plus, puis j'ai encore plus le goût. Ah ben, je comprends pas tout, là, mais ça a l'air intéressant. Mais c'est quel genre de mot coquin que tu veux que je te dise? Ben, tu sais, tu peux me décrire ce qu'on va faire après, ou tu peux aussi me dire... Tu veux que je te dise ça? Ouais, mais juste entre nous deux, là, pas devant le monde, là. Pas devant ta mère, puis la visite. Non. Non, juste entre nous deux. Ah, OK, tu me surprends. Concrètement, comment on fait ça? Ben... Mettons, viens par ici, là, ouais. Tu me prends par la taille, là. Ouais. Pas obligé d'être toi. Okay. Je vais doucement. J'arrive comme ça. Par la taille. La taille, chérie. La taille. Okay. OK, comme ça. Bon. Puis là, tu pourrais, tu sais, genre, me mordiller dans le cou. À quel endroit, à peu près? Genre ici. OK. Là. Puis là, tu me dis des mots coquins ici. Puis là, c'est là que je vais avoir. Non. On voit le monde selon notre perception. Imaginons un gars. Que lui, il aime ça, les génitales. Il aime ça, les stimulations génitales. Donc, il va se dire, ben, pour faire plaisir à ma femme, je vais faire une stimulation génitale. C'est logique, hein? Mais, mettons que sa femme, elle, ce qu'elle aime, c'est commencer avec du sensuel, puis un coup réchauffé, on passe au génital. C'est ça qu'elle aime. Mais elle n'y a pas dit, puis le gars, il n'y a pas demandé. Fait que ce qui arrive, c'est que le gars, lui, plus qu'il force directement en commençant avec le génital, moins la fille a du menoum-menoum. Plus il force, moins ça marche. C'est donc, encore une fois, notre responsabilité de dire à l'autre où est-ce qu'on est rendu puis qu'est-ce qu'on aime. J'ai un petit exemple pour vous. C'est un de mes profs en sexologie qui nous a raconté le cas suivant dans son bureau. Il y avait un jeune couple, amoureux, qui était attentionné un envers l'autre, mais ça marchait plus sexuellement, plus du tout. C'était rendu que la femme voulait plus du tout faire l'amour. Mais là, il essayait de discuter puis discuter. Finalement, le chat est sorti du sac. Savez-vous pourquoi elle ne voulait plus? Elle avait mal. Hein? C'était aussi simple que ça. Elle n'était pas lubrifiée, puis le gars, il essayait de la pénétrer, puis même ça la blessait. Puis l'autre rencontre, ça lui faisait encore plus mal. Je lui disais, ouais, mais c'est vraiment bizarre. Cette femme-là, c'était une femme médecin. Elle connaissait tout ça, puis elle ne l'a pas dit. Pourquoi? Ben, des fois, on est mal à l'aise. Peut-être qu'elle disait, ben, j'ose pas y dire parce que j'ai peur de briser l'ambiance. J'ai peur qu'il pense qu'il est pas bon. Ça fait que là, pour sauver la face, ben, elle disait pas. Puis plus ça allait, plus qu'elle souffrait. Donc, rappelez-vous ceci. Quand on tombe dans le non-dit, ça, ça égale la misère sexuelle.
madame, je m'adresse à vous. Alors, messieurs, vous pouvez aller faire un petit tour. On va vous revenir tout à l'heure. Madame, combien d'entre nous avons fait semblant d'atteindre l'orgasme? Il paraît que 68 % des femmes ont, un jour ou l'autre, fait semblant de jouir, alors que ce n'était pas le cas. Pourquoi on fait ça? Bien, des fois, parce que la relation sexuelle ne nous tente pas. Des fois, on a hâte que ça se termine plus vite. Puis, des fois, c'est la relation en elle-même qui n'est pas satisfaisante. Mais quand on fait semblant, bien, ce que ça fait, c'est que la relation n'est pas authentique. C'est un peu comme si on cachait des choses à notre partenaire. Puis même, c'est un petit peu comme si on lui mentait. Parce qu'on n'est pas vrai, on fait semblant de... Si on veut que la relation s'améliore, puis si on veut que ce soit agréable, puis que les relations sexuelles soient satisfaisantes pour les deux parties, bien, il faut apprendre à dire ce qu'on vit, à exprimer ce qu'on ressent, puis même à guider, comme on va le voir un peu plus loin, même à guider notre partenaire sur ce qui vraiment nous stimule, nous excite, puis être le plus vrai possible, sans jouer de game, sans faire semblant, puis surtout en étant dans l'intimité la plus proche avec notre partenaire. Mais ça, c'est à chacune d'entre nous d'aller créer ça pour elle-même. Bon, ici, je m'adresse exclusivement aux hommes. Alors, mesdames, je vous demanderai de quitter la pièce, s'il vous plaît. 2 minutes, ce sera pas long. Est-ce parti? OK. Je vous propose une expérimentation à faire avec votre partenaire. Ça va être drôle. Oubliez pas que chaque fois qu'on propose quelque chose, il faut que l'autre fasse menoum menoum. Si elle fait menoum menoum, on va s'amuser. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire le contraire de la pornographie. Dans la pornographie, c'est tout le temps plus, 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 bang, 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 pénétration. Mais moi, je vous propose de faire moins, moins, moins. OK? Le but, c'est de créer une vague. Je m'explique. C'est un peu comme une balançoire. Tu pousses la personne à l'avance, puis elle revient. T'es pas obligé d'aller la porter, puis la ramener, puis la porter, puis la ramener, puis faire des efforts. Non, non, t'es bien installé. Tu pousses. Elle va, elle revient. Tu repousses encore. Elle va plus loin, elle revient. Tu pousses encore. C'est rendu que tu fais de moins en moins, et puis elle va de plus en plus loin. Alors, comment qu'on fait ça? Quand vous êtes bien réchauffé, l'érection puis la lubrification est bien installée, là, vous pouvez commencer mon petit jeu niaiseux. Vous avertissez pas votre femme, et là, vous commencez à... juste une mini-pénétration, environ un tiers du pénis, puis vous ressortez. Elle va dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Puis vous le faites 6 fois comme ça, juste une petite. Elle va dire, mais aussi qui s'en va avec ses skis? Et là, le 7e coup, vous allez profondément. C'est un peu comme vous donner une grosse poussée, puis elle revient. Là, elle va s'attendre encore à ça. Mais non, vous commencez le petit jeu niaiseux, juste un tiers, 6 fois de fil. Après ça, 7e coup, une grande pénétration. Et là, vous créez une vague de plus en plus grande. C'est sûr que faites pas ça toute la soirée. Peut-être qu'à ce moment-là, elle ne sera pas bien contente. Mais ce que vous allez pouvoir expérimenter, c'est de créer des vagues, puis créer de l'énergie, puis jouer avec ça. Donc, respect, amour, plaisir, sécurité, partage respectif de nos menum menum. Et la réponse de notre corps risque de nous faire rajeunir de 20 ans. Pensez-y. Alors, le premier organe sexuel est le cerveau! J'avoue, avec le cerveau que j'ai, je n'y aurais jamais pensé.